Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons un ancien sénateur qui c'est Nenel Kasi qui a débarqué aujourd'hui dans le cabinet d'instruction avec un flop policier dans le dos. Il y a une façon pour être capable de venir répondre à une question. Question qui est juge Morin. Et ceci, c'est sous dossier BMPAD de Gagotte qui était fait dans BMPAD. Donc, je vais inviter vous à même pour garder avec moi l'image. Vous allez voir humeur lorsque l'ancien sénateur est rentré en dedans avec l'Eltap Sotian. Qui différence qui gagne? Donc, ou pas loué, un peu sourire, les lassoti, c'est grave. On a regardé ça. De bon. Information circulée, information circulée qui a dévoilé des documents et ça t'a dit que vous venez ensemble. Bon, n'est content. Et puis, nous sommes à la disposition de la justice. Mais je suis pas bon, l'autre rendez-vous, sénateur. On va gagner un rendez-vous. Nous allons respecter la justice pays. Nous disponible pour la justice pays. Merci. Nenel Kasi fait connaître que les disponibles pour la justice pays, respecter la justice pays. Ou saute vive comment sénateur le content après fin répondre question juge Morin sous dossier corruption BM Padan. Donc son plaisir bara yo galete pour l'assemblée a été très douce pour lui, c'est en souriant bien que le pas fait de gros déclarations. Ancien sénateur Nenel Kasi que nous tous connaissons, qui c'est ex parlementaire qui a peine quitté cabinet d'instruction, il fait connaître que ces documents juge l'ont demandé, c'est eux même que l'ité poté vini. Monsieur Nenel Kasi fait connaître lui-même, il est toujours là pour n'importe le juge là t'a gain besoin. Bref, nous pas prêter sur dossier ça, nous pas câbler dossier Ariel Henry. M'pa connait sous te connaît que tout haïtien était capable de voyager sans visa pour être capable aller dans une 14 pays si là yo qui disponible et bien avec nouveau passeport logo CC hein, qui c'est communauté caribéenne. Nous tout connaît que nous fait partie de CARICOM, pas vrai? Haïti fait partie de CARICOM. Mais aujourd'hui, il est impossible pour nous ta voyager sans visa. Impossible complètement pour ta voyager dans une 14 pays ça au moins pour le tout à l'heure comme ça là sans pas gain visa parce que gouvernement Ariel Henry pas accepté ça. Par contre, sous comprendre ça me veut dire gouvernement Ariel Henry pas d'accord, si malheureux, acti malheureux, pieds blanches voyager. Ok? Eh bien, pendant temps ça, frère Action, nous continuons à prendre vie, prenons un bateau pour aller chercher la vie dans une 14 pays. Or, yo te ka juste fait ticket, oui, pour aller. Mais non, notre roi Henri, peut-être qu'il pas vle ça. Nous prenons plus pi devant. Eh bien, oui, à partir de mois mars, kap vini la 2024, selon information qui a circulé là, pas gagné déportation pour moun qui t'a sans papier dans pays qui fait partie de CARICOM. Donc pays membre CARICOM. Tout citoyen pays membre CARICOM yo pral capable circuler dans tout pays qui gagne rapport avec CARICOM à l'aise, sauf ressortissant haïtien. Et ma foi qu'on est, c'est premier ministre Ariel Henry qui pas accepté pour haïtien bénéficier de ça. Et raison li bay lan, c'est comme quoi crise pays d'Haïti a traversé dans moment là, on bagaille comme ça pas qu'à faire. Et bien après Pierre Marie Lan était fin accepté pour que le gouvernement américain déporte tout haïtien qui était en bas pont Texas là. Et bien oui, li prend l'autre décision là qui non seulement a empêché un pile haïtien aller peut-être empêcher nous risquer vivre dans la mer parce que à partir de ça nous t'a capable aller dans tout pays qui fait partie de membre CARICOM dans plus bon condition. Et bien décision ça qui prend là c'est une décision grande monde qui cause que yo capable toujours continuer déporter ressortissants haïtiens sans papier dans tout pays qui fait partie de CARICOM. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si Ariel Henry est d'accord pour ressortissants haïtiens circuler dans tout membre pays CARICOM yo à partir de mois mars 2024 qui va venir là, yo pas tap capable continuer déporter haïtiens qui sans papier dans Caraïbes là encore.
Et nous connaissons déjà qui gens ça dans Bahamas. Bahamas c'est un côté que haïtien prend la main en pile pour aller dans pays ça et au déporter haïtien en pile là-dedans. Donc pays carré comme yo qui dans programme ça qui est sûr ou ta premier connaît. Nous c'est Bahamas, nous gagnons la Trinidad, nous gagnons Jamaïque, nous gagnons la Guyane, nous gagnons la Dominique, nous gagnons Antigua, nous gagnons Barbuda, nous gagnons la Barbade et nous gagnons Belize. Nous gagnons Grenade tout ensemble avec Montserrat, nous gagnons Saint-Kitts et puis gagnons Nevis et Sainte-Lucie ainsi que Saint-Vincent et les Grenadines ainsi que le Suriname. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces pays ça qui fait partie de CARICOM. Donc 15 membres permanents ça yo Haïti te fait partie. Haïti fait partie de pays membres CARICOM yo et nous tous connaissons déjà que c'est une série de pays côté que plus fort dans pays ça yo yo ta baye population en pile problème. Oui, population subie côté que disons population dans pays ça pas dépasser 1 million ville Port-au-Prince gen plus monde passer monde ça yo donc Haïti pour lui seulement fait deux fois taille population tout reste pays qui fait partie de membres CARICOM yo. Donc c'est une série de pays qui vivent presque de tourisme avec la pêche. Donc moun sa yo, yo pa gen de gros industrie ka bay travail la kayo. C'est tourisme en soi qui plus développer la kayo. Donc nous connaît Haïti en soi, son pays côté que haïtien pa vle vraiment rete la dan. Peu importe l'autre pays yo rive, yo toujours penser que yo va vivre. Et bien c'est ça qui t'a pral faire que gen une gros conséquence sur économie d'autres petits pays dans CARICOM yo. Pour qui ça? Parce que yo pa tap gagner pour supporter quantité haïtien qui tape envie vin envahir là puisque haïtien pas t'a besoin visa pour venir là-dedans. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jusque là nous parlait quoi que son décision que Ariel prend parce que pays dans CARICOM yo yo connaît qui crise Haïti a fait face actuellement. Donc yo connaît tout qui gens nous t'a envahir yo. Bon, me dit peut-être que yo font camper sous nous ou bien bagala ka plus que ça. Parce que j'ai information que vous faites quoi là, nous parlez de quoi c'est ça. Nous là, on attend parce qu'il faut qu'Ariel Henry parle, faut qu'il bâille en conférence de presse. Nous sommes Ariel Henry était bâille en conférence, elle était sur un sommet CARICOM non, avec 50e anniversaire et organisation régionale là. Il était bâille en conférence de presse, côté que il était remercié paysans amis avec alliés qui était accepté, qui était d'accord et qui était promet pour aider Haïti résoudre crise là. Chef gouvernement là ça, il était annoncé en série de étapes que gouvernement vraiment a franchi là à partir de semaine qui va venir pour venir là. Alors c'est ça que il t'a dit, m'pa connais si nous t'étais au courant de ça. Bon, m'invite nous regarder vidéo ça, n'a pas comprendre quelque bagaille. Moi je voulais dire toute frème à toute somme dans pays d'Haïti. Seul objectif gouvernement ça gagner, c'est faire bon gens élection pour mettre mayette l'en bail peuple haïtien pour le choisir. Moun li vle mette nan tèt peyi a. Mwen vle di tout moun tèt fwèt. Seul unité, bon jan unité a. Se pou tout met, se pou nou tout nou mette tèt nou ansanm pou nou soti peyi a nan sa nou ye a. Nou bezwen la pè. E se pa bandi qui peut aller bas nous. Nous besoin de sécurité, c'est pas mandi qui a bas nous. Dans la semaine qui a venu, nous avons continué dans la tête ensemble à tout acteur politique, acteur société civile et acteur secteur privé. Nous allons travailler sur la constitution. Nous avons monté un KEP pour nous aller dans l'élection et nous avons passé main dans le gouvernement. Nous avons envoyé un gros coup de chapeau à tous les paysans minouyo qui décidaient de nous un coup de main. Nous tous connaissons les lipifes noirs, ces jours, les pral jours. En nous prend destin nous en main. Moi, je voulais dire toute frème à toute somme dans le pays d'Haïti. Seul objectif gouvernement ça gagner, c'est faire bon gens élection pour mettre
Mayette Lambay, peuple haïtien pour le choisir, moun li vle mette dans tête pays. Moi, je dis tout le monde, tête fouette. Seule unité, bon gens unité, c'est pour tout mettre, c'est pour nous toutes, nous mettre tête nous ensemble pour nous sortir pays dans sa nouye. Nous besoin la paix. Et c'est pas bandit qui peut aller banoul. Nous besoin sécurité. C'est pas bandit qui a banoul. Dans semaine qui vient yo, n'a continué dans tête ensemble à tout acteur politique yo. Acteur société civile yo et acteur secteur privé yo. Nous pas le travail sur constitution. N'a monton KEP pour nous al nan élection et n'a passé main nan gouvernement. N'a voyé un gros coup de chapeau ba tout paysan minou yo qui décidé ba nous yon coup de main. Nous tout connaît les lipi fait noir, c'est jour li pral jou. On nous prend destin nous. Moi je l'ai dit toute frère. Moi c'est que nous tendez et nous essayer comprendre qui Jean discours là t'est parti bien que son discours qui plus ou moins cordé, j'entends de lancer comme ça t'est parlé. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs jusque là. Jusque là nous capable dire pour nous même information ça, li pou ko ka vrai. Faut que nous tendez Ariel Henry parler sur dossier là pour nous capable connaître parce que m'a prêté là pour continuer informer nous sur dossier ça, m'a tourner avec restant pour nous. C'est comme ça Ariel Henry t'a parlé. Dans la conférence de presse, et dans l'autre conférence de presse, elle va confirmer pour nous est-ce que c'est vrai ou pas, parce que faut nous jouer avec question ça pour nous poser. Parce que pour moi, jusqu'à présent, là, son voix est monté. Peut-être que c'est son rumeur. Son rumeur. Quel que soit le monde qui était sous pouvoir, là, quel que soit les conditions, il y a. Bah, c'est tout, il n'y a pas de haïtien accès, oui, tout. Pour entrer dans le pays carré comme eux sans visa. Parce que je connais que pays. Non, je ne peux pas comprendre ça, me dit, parce que c'est de la politique. Malgré nous, tout ça, c'est qu'on est. Nous ne devons pas prêter attention avec qui ça, Haïti, à Haïtien. Quand il y a une question, c'est qui ça? Nous devons poser une question. Est-ce que ce n'est pas dire le dirigeant pays carré comme il fait avec Ariel pour retirer Haïti dans le dossier de libre circulation et tout? Nous ne pouvons pas comprendre, non. De toute la manière, moi, me refuser quoi que pays, ça y est, c'est des pays qui étaient prêts pour recevoir pile avec paquet haïtien, qui t'a parlé pour débarquer là, dans très peu de temps. Cause Ariel Henry dit non, à cause de problèmes, crise qui est en Haïti, hein. Pour moi, l'hypocrisie fait sens. De toute la manière, nous là, n'a pas suivre. Information dit que chef gouvernement CARICOM yo prend décision là pour yo capable déplacer libre et libre tout citoyen pays CARICOM à partir de mois mars qui va gagner pour venir là mars 2024 qui pour aller plus loin passer régime un seul marché avec une seule économie et qui va gagner tout pour déplacement libre pour quelques monde qui gagne catégorie métier que groupe l'an accepté. Décision ça, li vini dans une rencontre historique qui était faite, qui c'est 45e réunion conférence chef gouvernement yo, qui était tombé dans même date ensemble avec 58e anniversaire CARICOM, 50e bien sûr, président CARICOM qui c'est Ron Roosevelt, Skirit, qui c'est premier ministre pays la Dominique, il était fait annoncer la passé mercredi passé en la qui était 5 juillet 2023 dans conférence pour la presse. Et il était dit yo prend décision ça pour yo capable river gagner déplacement libre qui permet toute catégorie de monde capable venir et puis vivre ou bien travailler la caillou. Pas gain doute que gagner des questions légales que nous supposé examiner sur ça. OK? Donc premier ministre Kerry te dit que nous comprenons gagner un défi là pour quelques monde mais par contre nous prend engagement pour nous résoudre ça. Non l'autre bord premier ministre Zile Barbadlan, qui c'est Motley, il te fait ouais que chef gouvernement yo d'accord avec demande gouvernement haïtien fait hein, pour pays pas ta participer dans mouvement déplacement libre là à cause de circonstances état membre ça
que lui-même il a traversé la caille. Alors c'est comme ça information t'ai dit. Mais jusque là nous là n'attend parce que nous pas content d'en babouche Ariel. Pour Ariel Henry raconter nous dès qu'il prévient dès qu'il manigance pour ta dire pas comme ça tout bon vrai. Bref, n'a pas avancé. Nous gagnons là dans international là dans Kremlin président Vladimir Poutine président russe là qui rencontré avec chef groupe Wagner là qui c'est Yevgeny Prigojine ensemble avec plusieurs commandants Wagner et depuis quelques jours après pour que Prigojine te dirige en rébellion tout court porte-parole Kremlin Dmitri Peskov lui dit que dans la réunion qui t'a duré environ 3 heures de temps Poutine te bay évaluation ni sous ça que nous relé événement 24 juin qui lui-même qui c'est date exacte de rébellion il était tendé commandant yo qui t'a dit que yo t'ai raconté ça qui t'est passé. Peskov dit que lui-même commandant yo promet pour capable continuer bataille pour la Russie. Wagner qui t'est participé dans invasion la Russie dans Ukraine na. Et Prigojine te critiqué en pile de militaires la Russie yo avant même que rébellion an, côté que force Wagner yo te rivé saisi pour un bon petit bout de temps quartier général ça. Eh bien mesdames messieurs commandement militaire ou, et sud la Russie an, rébellion an te fini avec yon entente que président Biélorussie qui c'est Alexander Lukashenko lui-même li te joine et qui te permet Prigojine avec fond bataille te al vive dans Biélorussie. Donc c'est comme ça. Du notre part, nous gain secrétaire trésor États-Unis qui c'est Janet Yellen. Madame ça dit consacré avec autorité chinoise yo nan jou qui te passé yo pour capable porter résultat qui est que après visite li dans la Chine relation entre deux puissances mondiales yo qui campé sous pied là qui plus assuré États-Unis avec la Chine gagnent de gros mésententes et c'est ça que Yellen fait connait dans l'ambassade américaine dans Pékin côté que il était même parlé de ça que l'irélé pratique économique qui peut-être pas juste et en action disons avec action pour punir business américain qui a opéré dans la Chine. Yellen a ajouté que lui-même avec président Joe Biden, il aurait cru que monde là assez grand pour tous les deux pays yo ta bien mené. États-Unis avec la Chine, c'est deux plus gros économies dans monde là. Alors dans moment ça, relation entre deux pays ça yo, c'est relation qui descend très bas. En pile sous dossier insécurité hein. Et surtout gros autobre dans tous les deux pays ça yo nous connait au terrain rencontré semaine passée yo là yon façon peut être capable chercher rétablir relation plus normal. Secrétaire d'État Anthony Blinken qui te visité lui-même Pékin mois passé yo là premier voyage principal diplomate américain sous Biden envoyé sous question climat John Kerry qui gagne pour lui visiter la Chine dans mois ça tout and nous gagne d'une autre part yon archevêque argentin qui c'est un pape François qui t'est choisi pour lui diriger bureau Vatican qui lui-même assuré que l'église là observer doctrine catholique là comme ça doit et que yo reconnaître yo t'ai fait erreur dans façon que yo t'ai géré en 2019 dossier ça sous un père qui t'est en bas accusation pour abus sexuel sous miné dossier 2019 là il t'ai fait en pile parler en pile côté que yo t'est arrivé critiquer archevêque Victor Manuel Fernandez comme quoi que il t'est essayé protéger père yon accusation que li démenti semaine qui s'est passée là et bien il t'est plus critiqué tête li dimanche là dans une interview que il t'est bail avec agence nouvelle associée de presse il t'est dit tout que gagne quelque n'a faut pas il t'est fait yo. C'est juste parce que formule l'église dans t'est fixé pour faire face avec accusation qui sous de chef religieux yo pas vraiment clair assez dans moment Fernandez t'est allé plus loin pour dire ah li t'est doit traiter victime yo avec plus attention et puis li t'est supposé agir puis bonheur pour te retirer Lorenzo comme père dans l'église là archevêque lundi li clair que j'en t'ai agi c'est pas de meilleure façon wa. Alors mesdames mesdemoiselles et messieurs c'est là nous avons mettre fin dans journal nous pour aujourd'hui hein. Nous praler n'a pas merci le fait côté on a monde qui t'a regardé avec nous et nous bon rendez-vous le matin 6h au revoir que Dieu vous bénisse bye bye